Bonjour à tous, ici Big Bad Hater. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment débloquer le skin d'artefact caché pour le mage feu. Alors, c'est le même principe que pour le skin caché du paladin Rhett. Il va falloir les badges du mob. Et quand je dis badge du mob, là, pour le coup, c'est vraiment badge du mob. Alors, avant de commencer, il faut vérifier que vous êtes bien au minimum level 5 de connaissance de l'arme prodigieuse. Et donc, si vous êtes bien level 5, c'est parti. Alors, pour débloquer le skin, faut looter un item qui s'appelle le dessin des astres. C'est un item qui va se looter sur des mobs dans Suramar. Et donc là, pour le coup, je parlais de farm tout à l'heure. J'ai mis à peu près 6 heures pour pouvoir looter cet artefact-là. Alors, vous avez deux moyens pour pouvoir récupérer cet item. Dans un premier temps, si vous êtes solo, si vous avez envie de farmer solo, faut vous rendre en Suramar, à l'ouest de la ville de Suramar, à l'endroit où vous faites une expédition où il faut libérer des prisonniers. C'est à ce niveau-là. C'est au niveau de la terrasse de l'ordre. Et donc alors... Pour le looter, ce qui est intéressant, donc vu que c'est du bash, c'est qu'il faut essayer de trouver un spot de mob qui repop à l'infini pour pouvoir augmenter ses chances de loot. Et là, justement, à cet endroit-là, vous avez les loyalistes de Suramar qui repop quasiment instant. Et donc, si vous êtes solo, ils sont par pack de 2, ça vous permet de bien farm tranquillement. Alors, j'ai commencé à farm ici, et au bout de 2-3 heures, toujours rien loot. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver un autre moyen. Et donc là, dans la recherche de groupe personnalisé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de groupes qui se montaient justement pour farmer l'artefact des mages. Et donc je suis allé dans le groupe et j'ai vu que le deuxième spot de farm se situait au niveau du perchoir de Tomblune, au nord-nord-ouest de Suramar. Et là c'est simple, faut bâche du sacre nuit à la pelle jusqu'à ce que ça loot. Donc alors armez-vous de patience, comme je l'ai dit au début, je l'ai loot en 6 heures. Et oui, 6 heures de farm sur le mage. Et je peux vous dire que j'ai vu des types qui rentraient dans le groupe, au bout de 5 minutes ils le lootaient. Donc ça fout quand même pas mal la rage, mais bon, il faut quand même s'accrocher parce que le skin est quand même pas mal. Après, moi, ce que je vous conseille, si vous recherchez un groupe comme ça, essayez de partir en groupe de 5 et pas en groupe de raid. Parce qu'en groupe de raid, vous n'allez pas pouvoir looter tous les mobs, vous allez pouvoir looter seulement ceux que vous avez touchés. Alors qu'en groupe de 5, vous allez pouvoir looter tous les mobs qui ont été tués par un membre du groupe. Donc au final, ça augmente vos chances de loot. Et aussi, dans un groupe de 5, il y a moins de chances que les 4 autres types le lootent que si vous êtes dans un groupe de 20. Quand vous envoyez 3-4 le loot d'affilée, je peux vous dire que vous n'avez plus trop envie de farmer, vous avez juste envie de vous barrer et faire autre chose. Donc du coup, au niveau de la motivation, ça fait quand même quelque chose. Voilà, donc en farmant, j'ai discuté un peu avec d'autres mages. Certains me disaient qu'ils l'ont looté en environ 30 minutes, d'autres 20 minutes. Et il y en a même un type qui était à 9 heures de farm et qui avait toujours rien. Donc là, il faut juste s'armer de patience, continuer à farm. De toute façon, ça finira bien par looter. En plus de ça, sans déconner, sur les 6 heures de farm, j'ai rempli mon sac d'items verts et d'items épiques, plus des étoffes, plus des items gris. Je me suis fait à peu près 10 KPO rien qu'en vendant les items. Plus j'ai looté un LQE épique qui est quand même pas mal sympa et qui se vend quand même toujours à l'HV. Et aussi ça vous permet de remplir votre stock de mana pour aller faire l'événement des flétries. Donc au final c'est tout bénef. Donc alors après avoir loot, je me suis rendu direct dans le domaine de classe des mages pour aller vous montrer les différentes couleurs, et il y en a une que j'adore particulièrement, c'est la or, la couleur or, je la trouve vraiment trop stylée. Ça balance vraiment sur le mage. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous allez mettre moins de temps que moi pour le loot, et moi je vous dis à bientôt, salut! Play of the game.